Alléluia. Je vous ai dit la proclamation, il y a une puissance de Dieu. Dieu libère des miracles et des prodiges qui se réalisent. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux qu'on acclame le Seigneur avec des cris de joie. On acclame le Seigneur très fort. Amen. Alors que ça soit dans la présence de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse. On va nous présenter nos invités. Bien-aimés, on va prendre un verset biblique. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Je ne suis pas l'orateur. Et nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 8, partie du verset 2 à 4. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 4, mais le verset 2 à 4 n'est pas prendre. Comme le temps est parti, on va lire. Le verset est beaucoup parti, on va lire le verset 4. Puis Jésus lui dit, prends garde de ne pas le dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre une offrande que Moïse a prescrit afin que cela le serve de témoignage. Amen. C'est un lépreux. Ses mains étaient impures et la malédiction régnait sur lui. Parce que quand tu as la lèpre, c'est signe de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il a vu le Seigneur. Il a dit au Seigneur, s'il te plaît, rends-moi pur. Guéris-moi. Il a dit, je souhaite que tu sois pur. Amen. Jésus souhaite que tu sois béni. Il souhaite que tout ce que tu touches prospère. Il souhaite que tu sois dans l'abondance, tu sois dans l'élévation. Ce n'est pas le souhait de Dieu que tu sois célibataire. Ce n'est ni le souhait de Dieu que tu sois pauvre ni misérable. Ça, c'est le souhait du diable. Alléluia. Amen. Mais Dieu souhaite que tu sois béni. Amen. Et la Bible dit, cet homme a approché. Et Jésus dit, je souhaite, il a été purifié. Ses mains ont été guéries. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a été guéri physiquement. Mais Jésus dit, ta guérison n'est pas terminée. Amen. Amen. Jésus dit, ta guérison n'est pas terminée. Mais va te montrer au maître de la loi, au prêtre. Amen. Et fais l'offrande que Moïse a prescrit. Amen. Et quand tu vas faire l'offrande, ta guérison sera définitive. Alléluia. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Amen. Que si les sorciers avaient déclaré sur ta vie que tout ce que tu vas toucher sera mort. Mais par ton offrande, je déclare ce matin que la vie de Dieu va commencer dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu touches dans ta vie meurt. Même quand tu engages des affaires, cela ne prospère pas. Quand tu t'engages dans le travail, il n'y a pas de promotion. Tout ce que tu fais, tu sens que rien ne marche. Tout ce que tu touches ne prospère pas. Mais ce matin, ta main sera déclarée pure. Ta main sera déclarée pure. Sera béni au nom de Jésus Christ. La grâce de Dieu va se manifester par tes mains. La Bible dit que tout ce que Jacob, oui, touchait, prospérait. Alléluia. Tout ce qui touchait, prospérait. Et tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande, bien aimé. Pour dire merci à Dieu. Parce que l'offrande que tu vas donner, bien aimé, tu verras les prodiges dans ta vie. Amen.
Dieu nous a gardés et nous a protégés. Il a veillé sur toi. Et tu vas prendre ton offrande pour venir lui dire merci. Et ton offrande va parler pour toi. La Bible dit que la main de cet homme était purifiée. Ta main sera purifiée. Ta main sera bénie. Si quelqu'un a maudit ta main, ta vie, au nom de Jésus, et par l'offrande que tu vas faire, je déclare que ta main sera bénie. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas te tenir, tu vas venir faire ton offrande.